Parmi les affaires liées au paranormal, il y en a une qui est considérée comme la plus documentée de toutes les affaires de hantise. Il s'agit du cas Enfield. Entre des enregistrements audio, des vidéos, des photos, un nombre important de témoignages, on peut vraiment dire que cette affaire a de quoi faire parler d'elle. D'ailleurs, il y a peu de chances que vous n'ayez jamais entendu parler de ce cas, car il a été récupéré de nombreuses fois à la télé, traité par des youtubeurs et youtubeuses, adapté en série ou même en film. Et pour ce qui est des films, pour le coup, on peut clairement parler de la plus grosse appropriation des Warren. Bref, dans cette vidéo, on va tenter de vous faire écouter, de vous montrer, ou encore de vous faire découvrir de nouvelles choses sur ce cas déjà si connu. Allez, c'est parti pour un nouveau moment de culture. Le cas Enfield est, comme nous vous le disions, considéré comme le cas de hantise le plus documenté à ce jour. C'est pourquoi nous n'hésiterons pas dans cette vidéo à vous diffuser des enregistrements liés à cette potentielle affaire de hantise ou tout simplement des témoignages de personnes impliquées dans l'affaire. Le cas Enfield porte ce nom puisque les événements qui nous intéressent se sont déroulés dans le quartier Enfield, dans la banlieue nord de Londres, à partir du 30 août 1977. C'est au 284 Green Street que vivait la famille Hodgson, composée de Margaret Hodgson, une femme célibataire récemment divorcée et de ses quatre enfants. Margaret, 13 ans, Janet, 12 ans, Johnny, 11 ans et Billy, 7 ans. La mère et la fille aînée ayant le même prénom, nous utiliserons tout du long de la vidéo le surnom de la mère de famille qui est Peggy. Concernant Johnny, il ne sera que très rarement présent et cité pendant l'affaire, car étant apparemment un enfant assez compliqué à gérer, il était envoyé en pensionnat pendant les périodes scolaires. C'est donc durant la soirée du 30 août 1977 que les premiers phénomènes étranges se seraient produits. Peggy Hodgson aurait entendu des bruits provenant du premier étage. En montant pour dire aux enfants de se calmer, Janet et Johnny lui auraient dit que leurs lits respectifs dans deux chambres différentes se secouaient seuls sans raison. Le lendemain soir, les deux filles qui partageaient la même chambre auraient entendu les tiroirs de leur commode commencer à bouger. Puis c'est tout le meuble qui se serait mis à trembler. Peggy aurait alors entendu les bruits venant de la chambre. Pensant qu'elle jouait au lieu de dormir, Peggy serait montée à l'étage pour calmer tout ce petit monde. En entrant, elle aurait en effet observé la commode bouger toute seule. Peggy aurait alors essayé de la remettre en place, mais sans succès. Le meuble aurait alors commencé à se déplacer vers la porte, comme s'il cherchait à les enfermer. Prise de panique, la mère aurait alors attrapé tous ses enfants et aurait été se réfugier au rez-de-chaussée dans le salon. Mais des bruits similaires à des pas et des coups dans les murs se seraient alors fait entendre. Peggy aurait pensé dans un premier temps à un cambrioleur. Elle serait sortie de chez elle avec ses enfants et aurait été immédiatement chercher de l'aide chez ses voisins, les Nottingham. Vic Nottingham, le père de famille, aurait été dans un premier temps très sceptique vis-à-vis de l'histoire de Peggy. Ayant un mur mitoyen, la famille Nottingham aurait dû, elle aussi, entendre les coups. Mais en tant qu'ami et voisin, il aurait accepté d'aller inspecter la maison Hodgson avec son fils. De là, ils auraient à leur tour entendu les coups. I heard the knocking as I walked in the front door, but I went all over the house, checked it, checked the walls, checked everything. Just couldn't make out what it was, so in the end I thought to myself, well there's only one thing, I call the police. Vic Nottingham aurait donc lui-même appelé la police. Deux agents, un homme et une femme, sont arrivés chez les Hodgson vers 1h du matin. Ils ont inspecté les lieux et n'ont rien relevé de particulier. Du moins, dans un premier temps. Car oui, il se serait passé un étrange phénomène dont la policière aurait été témoin. Voici un extrait du rapport de police qui a été établi par l'agent Caroline Hips après leur intervention chez les Hodgson. Il y a eu 4 coups séparés venant du mur, puis le silence. 2 minutes plus tard, j'ai entendu encore plus de coups venant d'un autre mur. L'autre agent de police a vérifié tous les murs mansardés et les tuyaux, mais n'a rien trouvé qui pouvait expliquer les coups. Le fils aîné de la famille a pointé du doigt une chaise à côté du canapé. J'ai alors vu la chaise glisser sur le sol. Elle s'est déplacée d'environ 1 mètre et s'est arrêtée. J'ai vérifié la chaise, mais je n'ai rien pu trouver qui expliquerait comment elle s'est déplacée. Et ça, ce n'est qu'une partie du rapport officiel. Voici par exemple ce qu'elle a dit devant les caméras de la BBC en 1978 lorsqu'elle a été interviewée. It came off the floor, or maybe a half inch, I should say. And I saw it slide off to the right, about 3.5 to 4 feet before it came to rest. I checked to see whether or not it could possibly have slid along the floor. I placed a marble on the floor to see whether or not the marble would go in the same direction as the chair did, and it didn't roll at all.
I checked for wires under the cushion, the chair, and I could find no explanation at all. Après plus d'une heure sur place, les policiers seraient partis en expliquant à la famille que, bah, vu qu'il n'y avait pas de traces d'effraction ou de délit, ils n'avaient pas les compétences pour les aider. Les jours suivants, d'autres phénomènes inexpliqués se seraient produits dans la maison des Hodgson. En tant que voisin et ami, la famille Nottingham passera du temps dans la maison d'à côté et sera apparemment témoin de ces phénomènes étranges. The second night we went back in there again, and we got the same reaction again. We got this knocking, and then to see a Lego. I witnessed a box of Lego underneath a chair, but I walked into the room. As I walked into the room, the Lego began to fly. And there's Janet, one of the girls. She's been just sitting on the chair, and she's been thrown completely across the room. Ne sachant pas vraiment quoi faire, le 4 septembre, Vic, le voisin, aurait annoncé à la famille qu'il allait contacter la presse en espérant y trouver de l'aide. Le Daily Mirror sera alors le premier journal à relater les phénomènes étranges qui se produisent au 284 Green Street. Bien qu'au début le bureau de presse fût un peu sceptique, le fait que Vic annonce qu'il y avait de nombreux témoins, dont deux policiers, suffit à faire déplacer un journaliste et un photographe sur place. Une fois arrivé, il serait resté un bon moment sans qu'aucun phénomène étrange ne se produise. L'équipe du Daily Mirror aura alors décidé de remballer tout le matériel dans la voiture, direction le bureau. C'est Vic qui les aurait interceptés au dernier moment, leur disant qu'il se passait finalement quelque chose. The people started screaming, and I just put myself back in this corner with a wide-angle lens and just kept taking pictures. I had no idea what was happening. I got hit in the eyebrow, just in the forehead with a like a Lego brick. There is no question that things were flying around the room, Lego bricks and marbles. I couldn't see where they came from, but they certainly didn't come from the hands of the three children who were present, or Mrs. Hodgson. Malgré les déclarations de l'équipe du Daily Mirror, aucune photo prise ce jour-là ne sera réellement parlante. La photo publiée dans le journal du 10 septembre 1977 ne montre pas du tout les événements qui se seraient produits quelques jours plus tôt. On voit en effet Peggy Hodgson qui semble dans un grand état de détresse, mais aucune brique de Lego, ni aucune bille n'est visible, ne serait-ce que flou. De plus, on aperçoit dans le fond le journaliste Douglas Benz et Peggy Nottingham, qui sont assez stoïques. Le Daily Mirror étant, déjà à l'époque, connu pour ses articles à sensation, l'histoire fait tout de même la une. Un autre duo du Daily Mirror, composé du journaliste star George Fellows et du photographe David Thorpe, sera envoyé au 284 Green Street pour tenter de prendre des photos plus probantes. C'est après avoir côtoyé la famille et ses phénomènes insolites que le duo du Daily Mirror décida d'appeler en renfort la SPR, la Society for Psychical Research, ou littéralement la Société de Recherche Psychique. Cette société est connue pour ses recherches dans le domaine du paranormal et des phénomènes qui sortent de l'ordinaire. Ils interviennent gratuitement et tentent de comprendre l'origine des phénomènes dits paranormaux. Cette société est très connue dans le monde du paranormal, puisqu'elle a été fondée en 1882 et comptera parmi ses membres des personnalités telles que Sir Conan Doyle ou encore notre cher Camille Flammarion, qui en a même été président en 1923. Or, cette année-là, la SPR comptait un nouveau membre, Maurice Gross, un inventeur et chef d'entreprise qui s'était inscrit à la Society après avoir perdu sa fille lors d'un accident de la route. C'est lui qui sera envoyé dans la maison des Hodgson pour enquêter sur les phénomènes rapportés par l'équipe du Daily Mirror. Après une petite période de calme, il aurait lui-même constaté des coups dans les murs, ainsi que des objets volant à travers la pièce comme les fameuses briques de Lego, des billes et même un t-shirt. C'est lui qui mettra un nom sur ce qui pourrait être à l'origine de ces phénomènes, un poltergeist. Et si vous ne savez pas ce qu'est un poltergeist, on vous renvoie vers la vidéo qu'on a faite sur le sujet. Il remarqua que Janet semblait être l'épicentre de ces phénomènes et dans une moindre mesure, Margaret puis Billy. Équipé d'un magnétophone, il se met à enregistrer ce qu'il définit comme les premiers signes d'activité dans la maison. Du fait de la presse écrite, l'affaire commence à faire du bruit. La BBC envoie alors une jeune journaliste du nom de Rosaline Morris pour couvrir l'événement, espérant obtenir quelque chose à diffuser à la radio. Elle serait donc restée une nuit sur place et voici ce qui aurait été finalement diffusé. We've just heard a noise upstairs, and the chair, which was standing by Janet's bed, appears to have moved. The chair's been thrown 9 feet. Well, I'm hoping I'm not getting the microphone shaking in my hand, because that was rather an unnerving experience. D'après les dires de la journaliste, les jeunes filles dormaient à poings fermés lors de l'enregistrement. Elle ajoute également que son passage à Green Street l'aurait marqué à vie.
Le 12 septembre 1977, un autre membre de la SPR se joindra à Maurice après avoir entendu parler du cas dans les journaux. Il s'agit de Guy Lyon Playfair, un journaliste et écrivain ayant déjà fait de nombreux articles sur des cas considérés comme paranormaux. Selon ses dires, il aurait décidé au début de ne venir qu'une fois ou deux, histoire de donner des conseils à Maurice Gross. Finalement, il restera presque 13 mois à enquêter sur l'affaire, car il pensait que ce cas pouvait être un véritable cas de poltergeist. Les enquêteurs auraient alors tenté de multiples expériences, comme séparer les deux jeunes filles dans deux maisons différentes. Margaret fut envoyée chez les Nottingham, et Janet resta à son domicile avec les enquêteurs. Le résultat aurait été que le poltergeist se serait manifesté dans les deux maisons. Un soir, ils auraient débarrassé l'intégralité de la chambre des filles pour voir s'il se passait quelque chose. D'après un témoignage présent dans le livre de Playfair, « Nous avons entendu comme un énorme bruit de vibration venant de la salle désormais vide. » Durant le mois de septembre, ils auraient été témoins de coups dans les murs, de pyrokinésie avec des allumettes qui s'allumaient toutes seules, ou encore de déplacements de meubles plus ou moins gros, comme le raconte Maurice Gross. One night, I was standing here, there were about 11 or 12 people in the room, and I was standing talking to one of the members of the family, and I in front of the settee, and the settee went straight up in the air and turned upside down, right in front of me, no more than a foot away from me. Mais ce qui marqua le plus les enquêteurs à propos des déplacements d'objets fut un foyer à gaz qui se serait arraché de l'un des murs de la chambre des filles pour venir se positionner entre les lits. Well, here you have the gas fire. All I can tell you is it's so heavy, I can't pick it up. And how do you bend that pipe, let alone pull it out of the wall? I mean, the children couldn't possibly have done it. Impossible. À la fin du mois d'octobre, les deux enquêteurs, inquiets pour la famille, et quelque part toujours dans un objectif d'expérimentation, iront même jusqu'à payer de leur poche des vacances au Hoxton pendant toute une semaine. Le but, les éloigner de leurs problèmes du quotidien, mais également voir si les phénomènes continuaient sans la présence de la famille. Et non. Pendant toute une semaine, le calme est revenu à Green Street. Et d'après ce que l'on sait, le poltergeist ne s'est pas non plus manifesté durant tout le séjour de la famille à Clacton-on-Sea, à plus de 100 km de leur domicile. Début novembre 1977, la famille revient à son domicile. Le poltergeist supposé montre également qu'il n'a pas disparu. D'après les deux membres de la SPR, les activités se seraient alors faites encore plus puissantes. Voyant que l'entité se manifestait de plus en plus par des coups dans les murs, Maurice Gross aurait alors décidé de la provoquer en lui demandant si elle était morte. Elle aurait alors tapé 53 fois. C'est long. Pour lui, l'entité présente à Enfield était intelligente, il aura alors décidé de tenter de communiquer avec elle. Mais vous allez l'entendre, notre membre de la SPR a quelque peu inversé la technique du fameux... Un coup oui, deux coups non. Le côté british, peut-être. Knock one for no and two for yes. Are you a male spirit? One for no and two for yes. That's two. You are a male spirit. Did you used to live in this house? You did. Was it more than 50 years ago? Yes. God. Did you die in this house? Did you pass on? You did pass on in this house. Now why are you here? Are you unhappy? You're not unhappy. But why are you here? Is it because you want to give us a special message? No. You don't want to give us a special message. Are you having a game with me? Ah! Oh, right. Oh. As I ask the question, are you having a game with me? It's through the cardboard box and the pillow right in my face. Well, thank you very much. That was a very good answer. Dès lors, Maurice Gross et Guy Lyon Playfair sont persuadés d'avoir affaire à une véritable entité utilisant l'énergie des enfants pour se manifester, et plus particulièrement celle de Janet et de Margaret. De ce fait, ils prendront alors la décision d'enquêter à plein temps sur cette affaire. Pour aider la famille, ils tenteront même de chasser l'entité par l'intimidation. Do you enjoy upsetting this family? You do.
Well, now, will you please go away? Because I think you've had enough of your jokes. You won't go away. But I would like you to go away, and go away because I think you've been upsetting this family long enough, and it's time you went away. Do you understand me? Please go away. Yes, you must go away. It's absolutely essential that you go away. No, you mustn't be obstinate. You must go away. Well, you must. I'm sorry, but you must stop annoying this family. You've had enough. You've had a good time. Now, please go away. All right? Please go away. Bon, vous l'aurez compris, si cette technique avait porté ses fruits, la vidéo s'arrêterait là. Et ce n'est pas le cas. En plus de ça, Janet aurait commencé à être en proie à des transes. À des moments aléatoires de la journée, elle aurait commencé à faire des dessins assez étranges dont elle n'aurait aucun souvenir. La nuit, elle se serait réveillée en pleine crise de panique, à tel point que parfois, les enquêteurs devaient intervenir pour éviter qu'elle ne se fasse du mal. Un soir, Peggy aurait même sauvé sa fille, car elle aurait été en train de se faire étouffer par le rideau de sa chambre. D'après les témoins, celui-ci aurait régulièrement été retrouvé entortillé sur lui-même, alors que les fenêtres étaient fermées. Le fait que cette fois, il s'entortille autour du cou de Janet a été mis sur le dos du poltergeist. Ces crises auraient été tellement loin que dans la nuit du 26 novembre, les enquêteurs ont pris la décision d'appeler un médecin pour mettre la jeune fille sous sédatif. D'après les rapports, elle aurait reçu une dose de 10 ml de Valium, un puissant sédatif. Pourtant, il se serait tout de même passé quelque chose d'étrange. John et Sylvia Burcombe, respectivement le frère et la belle-sœur de Peggy Oxon, et vivant dans le même quartier, étaient présents ce soir-là. Voici un témoignage de John, l'oncle des filles, devant la caméra de la BBC. Well, I heard a noise downstairs. I come up, and there was the eldest girl on the floor. But the other one's missing. So, I look under this bed, I look under this one, and as I stand up, I see it. There she is, across this radio, one leg in the air, and her head hanging down. Just to prove that I wasn't mad, I yelled for my wife to come up to see what I have just seen. But she was asleep. Cet événement donnera cette photo. Après ça, Graham Morris, le photographe du Daily Mirror, qui avait été de nouveau envoyé sur l'affaire, décida d'installer un appareil photo automatique dans la chambre des filles. Cet appareil, qui se déclenchait par le mouvement, donc toujours avec un peu de retard, donnera de nombreuses images montrant Janet et ou Margaret, voire parfois Billy, dans des situations plutôt étonnantes. Mais la plus connue restera celle-ci. D'après les enquêteurs et Janet elle-même, il s'agirait là d'un moment où le poltergeist l'a projeté de l'autre côté de la pièce. Voici comment Janet, des années après les événements, raconte ce moment. Well, I was in bed and it's like I felt cold hands and there was like a force that sort of pulled me out of bed. And sometimes I'd be pulled to my bedroom door, sometimes I'd be pulled up into the air. Peu de temps après, les enquêteurs auraient constaté que des sons étranges commençaient à se faire entendre autour de Janet. Il semble alors s'agir de grognements ou d'aboiements alors que la famille ne possède pas de chien. Maurice Gross en aurait alors déduit que ces sons provenaient sans doute de l'entité qui cherchait à communiquer. C'est le 12 décembre 1977 que la supposée communication avec celui que l'on nomme désormais le poltergeist d'Enfield montra d'un cran. I want you to call out my name, my complete name, Maurice Gross. See if you can do that. Very good. Let me hear you say my name again. Come on, let me hear you say my name. Come on, my name's Maurice. Let me hear you say it. Maurice. Now that was the first time we heard the voice, and since then we've been hearing it again and again, and it's been getting louder. Ces nouveaux échanges, beaucoup trop faciles au goût des enquêteurs, auraient commencé à mettre Maurice Gross dans un état de perplexité. Il aurait alors fait un test sur Janet. Elle devait remplir sa bouche d'eau avant que Maurice Gross ne la scelle par du scotch. Ce dernier aurait alors posé des questions pour voir si la voix continuait de lui répondre. Et apparemment, oui.
même si malheureusement aucune preuve vidéo n'existe. Seuls les témoignages de Maurice et Janet font foi. Maurice, gross, take my mouth up, and he filled my mouth with water, and it still spoke. And I took the tape off, and she spat the water out. Now, as far as I know, there's not a ventriloquist in the world that can do that. Pour Maurice Gross et Guy Lyon Playfair, la voix était alors authentique. Deux jours après la première communication avec la voix, le 14 décembre donc, c'est une personne totalement étrangère à l'affaire qui aurait été témoin de phénomènes paranormaux. Hazel Short, une femme chargée d'aider les enfants à traverser la rue, aurait aperçu Janet en pleine lévitation. I saw Janet lying flat and she was floating. She was going up and down in front of the bedroom window. Les événements se multipliaient donc autour du cas Enfield, et comme le disait plus tôt Maurice Gross, la voix allait se faire de plus en plus présente, et même de plus en plus bavarde. L'arrivée de cette fameuse voix, ainsi que la durée de l'enquête, ont attiré d'autres membres de la SPR. Anita Gregory et John Beloff, anciens présidents de la Society, se rendront sur les lieux pour donner leurs avis sur ce cas. De leur point de vue, le tout n'est qu'un énorme canular monté par les filles, alors même que leur venue est accompagnée d'une petite coopération de la voix rauque. Say Dr. Beloff. Come on, let me hear you say that. Come on. Let's hear you say Dr. Beloff. Say Dr. Beloff. Now if you squeak the bed, I can't hear you talking. Now, say Dr. Beloff. Come on. Come on, say it for me, Dr. Beloff. Dr. Beloff. De son côté, Anita Gregory fera un rapport déclarant que les voix mystérieuses d'hommes étaient tout simplement le résultat de Janet et Margaret qui mettaient des draps à leur bouche. Une caméra vidéo a surpris Janet en train de plier des cuillères et une barre de fer par la force, ainsi que de pratiquer la lévitation en rebondissant sur son lit. Bon, a priori, si cette vidéo existe, elle n'a jamais fuité de la SPR. Elle ajoutera tout de même en conclusion que l'origine du phénomène a pu être paranormale. John Beloff, lui, invitera de nombreuses personnalités du monde du spectacle pour qu'ils donnent leurs avis sur de potentiels trucages. Mais on en reparle après. Malgré le scepticisme des deux membres de la Society, Maurice Gross et Guy Lyon Playfair eurent l'autorisation de continuer leurs investigations et leurs communications avec le poltergeist d'Enfield. Et du coup, Maurice serait arrivé à soutirer des informations sur l'intégrité physique de l'entité. Can you tell me where you are at the moment in the room? On top of Janet. Why do you sleep on top of Janet? It's my bed. Why can't Janet feel you? I'm invisible. Why are you invisible? I'm a G-H-O-S-T. En plus de ces informations, les deux enquêteurs de la SPR découvriront que celui qui semble parler à travers Janet aurait un prénom. Bill. Maurice Gross aurait même réussi à lui soutirer quelques informations sur l'homme qu'il aurait été de son vivant. I want you to tell me whether you remember what happened to you when you died. Just before you died and just after you died. 2 weeks before I died, I had a problem blowing. Then I had an hemorrhage and I fell asleep and I died in a chair in the corner downstairs. Mais finalement, Bill ne sera que l'un des prénoms donnés par la voix rauque venant de Janet et Margaret. Bien que la voix semblait être la même, chaque prénom avait sa propre histoire. À la volée, on peut vous citer, en plus de Bill, Stuart, Dick, Fred, Tommy ou encore Harry. La journaliste Rosalind Morris, qui avait déjà rapporté des enregistrements pour la BBC, eut l'occasion de capturer ses voix. Talk to Rosalind, she wants to talk to you. Good evening. Good evening. Good evening. Are there two of you there? Yeah. What are you called? Tom and Dick. Avec le retour à la SPR des deux enquêteurs sceptiques face aux deux enquêteurs convaincus, la Society avait besoin de preuves, d'éléments incontestables. C'est pourquoi il fallait maintenant faire entrer un petit peu plus de science dans l'affaire. D'abord, un orthophoniste fut consulté pour découvrir comment cette voix pouvait être produite. Malheureusement, cette séance semble n'avoir été ni enregistrée ni filmée. Voici en revanche les conclusions rapportées des deux enquêteurs convaincus. We found on analysis the voice was not made by the larynx, the voice box,
but via the false vocal fold, which is above the larynx. And you only use that when you lose your voice and you talk like that. Well, if you talk like that for more than a couple of minutes, you start getting a sore throat. Talk like that for 5 minutes or so and you're going to start doing damage to your throat. And yet this voice used to speak up to 3 hours at a time, not continuously of course, but up to 3 hours at a time without the girl showing any distress at all. Absolutely remarkable. Well, they terrified the speech therapist we brought in. She was totally freaked out and refused to be interviewed. She just ran out of the room. I mean, there's a professional opinion for you. Et puisque selon les conclusions de l'orthophoniste rapportées par les enquêteurs, on le rappelle, la production de cette voix par un humain lambda était impossible, il fallait bien comprendre d'où elle pouvait provenir. Et c'est auprès des personnes les plus concernées que l'on trouve une réponse. When you hear the voice and it comes out, where does it come from? Here, your throat? No. Where do you feel it comes back from? Back of the neck. Back of the neck. And so it must be as if it's somebody else speaking there when you hear it. Behind us. Le 29 décembre, toujours dans le but d'accumuler des preuves irréfutables aux yeux de la SPR, Maurice Gross fait venir au domicile des Hoxton un étudiant en physique expérimentale de l'Université de Londres. Son but, tester Janet pour voir si les déplacements d'objets dans la maison pouvaient provenir d'une potentielle capacité psychique. I told her what to do, that she should put her hand towards the piece of metal, but not get any closer than about 6 inches away from it, and just try to make it bend. This is the record I took at the time. Within a minute and a half or so of actually starting, we begin to get the first few signals, and they're gradually increasing in size. By the end of it, she'd successfully bent the metal, and that was with no touch. Encore une fois, aucune image pour appuyer ces dires. Les choses devenaient de plus en plus concrètes, et malgré le scepticisme de beaucoup, la SPR ne pouvait se permettre de décharger Gross et Playfair de cette affaire. Bien sûr, en plus des voix de plus en plus récurrentes, les meubles continuaient de bouger, les objets continuaient de voler à travers les pièces, les coups dans les murs continuaient de se faire entendre, et maintenant, les entités se manifestaient à travers les fameuses transes de Janet. Comme sur cette photo où la voix répondant au nom de Fred aurait fait écrire son prénom par Janet. Au début de l'année 1978, la télévision écossaise, et plus exactement BBC Scotland, viendra faire un reportage au 284 Green Street. Et oui, il y a une partie de ce reportage que nous avons déjà utilisé en tant qu'extrait dans cette vidéo. Ils seront les premiers à diffuser à la télévision les fameux coups entendus dans les murs et la voix rauque provenant de Janet. Do you think there's anyone there just now? Yeah, I do. Who's that? What? Who's that, Janet? Pardon? Stuart Certain. Stuart Certain, and he's one of the voices? Yeah. Why do you think he comes and speaks through you? To noise, to annoy us. Shall we try and speak to him? No. We'll see if he'll speak to us. Yeah. Is anybody there? Knock, knock. Who's there? Doctor Who. Doctor Who? Who's Chase is here? I was going to ask the same question as I asked earlier. How many voices are there? 600 the voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10. Three. Sensible voices. But the rest of the names are absolute rubbish. En parallèle de tout ce qu'il se passait chez les Hoxton, Maurice Gross aurait demandé à son fils Richard, un avocat, d'enquêter sur ce fameux Bill qui aurait vécu et serait mort dans la maison. Ce que Richard rapportera à son père sera sans doute ce qui marquera le plus l'affaire Enfield.
Richard Gross mit son père en contact avec un certain Terry Wilkins. Ce dernier affirmait que son père, Bill, était mort dans la maison. L'enregistrement de Janet parlant de la mort de Bill fut évidemment écouté par Terry Wilkins. Voici sa réaction juste après l'écoute. It describes exactly how exactly what happened. He died in the chair, down in the living room. My mum popped out to the shop for 10 minutes. When she came back, he was dead. De nombreuses personnes ont été invitées pour tenter de renvoyer cette entité dans l'au-delà. Des médiums, des magnétiseurs ou encore des exorcistes. Chacun a pu tenter sa chance, mais sans succès. Au fur et à mesure du temps, les paroles se faisaient de plus en plus agressives, n'hésitant alors plus à insulter directement les interlocuteurs. En voici quelques exemples. En juillet 1978, ce sont les célèbres enquêteurs Ed et Lorraine Warren qui débarquent pour enquêter sur ce cas. Et si vous ne savez toujours pas qui sont les Warren, on vous propose notre vidéo sur eux. Bon, par contre, le couple est venu à Enfield sans y être invité. Ah non, encore eux ! D'après les dires de Gillian Playfair au micro de la radio américaine Darkness Radio, le couple ne serait venu qu'une seule journée. Aurait fait quelques enregistrements, Lorraine aurait pris le temps de poser pour une photo, et il serait reparti. Toujours d'après l'enquêteur anglais, Ed lui aurait proposé de se faire beaucoup d'argent avec cette histoire. Ce qu'ils feront du coup. Mais on y reviendra plus tard. Voici l'un des enregistrements provenant des Warren. Ils auraient eu la possibilité de parler avec la voix d'Enfield. Sometimes you use Janet and sometimes you use Lloyd. Why yeah, but they've been coming at the same time. Yeah. Must be yeah. At the same time? Yes. Yeah. Okay, hold me, I'm afraid. Tommy and Fred. What's that? Tommy and Fred. Oh, that's true. Tommy and Fred. Yeah. Fred, could you move something for us? No, we don't want to. You don't want to? No. But I've come a long way. I've come 2,000 miles. Pour Ed Warren, qui je le rappelle est démonologue, cela ne fait aucun doute, l'entité d'Enfield n'est pas un poltergeist. Pour lui, il s'agissait d'un esprit démoniaque, une entité non humaine se faisant passer pour un esprit. The Enfield voices, as they are called, are to me diabolical voices. They claim to be the spirits of the dead. They are not. They are nothing that has ever walked this earth. Apparemment, et bien que ce fût son domaine de prédilection, il ne fit pas grand-chose pour aider cette famille. Après avoir essayé toutes les solutions pour stopper les événements du 284 Green Street, Janet sera finalement envoyée en hôpital psychiatrique à la fin du mois de juillet 1978 pour 2 mois. Elle sortira après avoir passé tous les tests psychologiques sans qu'aucun ne sorte de la norme. Bref, elle fut déclarée totalement saine. Durant son internement, quelques petites activités paranormales auraient été constatées au domicile des Hodgson. À l'hôpital, par contre, aucune activité suspecte. Après être rentrée chez elle, malgré ses dires selon lesquels des phénomènes se produisent encore, l'affaire s'est tassée. Les enquêteurs ont fini par ne plus venir et petit à petit, les Hodgson sont retournés à leur vie classique avant la fin de l'année 1978. Pour autant, leur nom et leur histoire ne sortiront jamais de la culture populaire. Alors évidemment, avec presque 1500 manifestations présumées et une trentaine de témoins, on peut dire que ce cas répond à énormément de spécificités que l'on attend des poltergeists. Tout d'abord, des coups venant des murs sans raison apparente et sans que l'on identifie la source, des objets qui se déplacent, des blessures involontaires, la communication spirit à partir de coups, la disparition progressive de l'entité, et surtout, ce cas répond au cliché établi par Frank Podmore, membre de la SPR en 1902, de la théorie de la vilaine petite fille, théorie que nous avons expliquée dans l'épisode sur les poltergeists. Et pour répondre à ce cliché, nous avons ici affaire à une famille qui vient de connaître un divorce. Qui plus est, le début des phénomènes coïncide étrangement avec le départ de Johnny à l'internat. Vous l'aurez compris, on va maintenant s'attaquer au côté sceptique de l'affaire. Tout d'abord, il faut savoir que Janet Hodgson a admis des années plus tard avoir rajouté volontairement quelques supercheries à l'affaire qu'elle maintient tout de même comme étant véridique. D'après une interview accordée au Daily Mail, elle affirme que 2% des phénomènes étaient bien produits par les enfants. Et ce, par peur que le poltergeist ne se manifeste pas suffisamment lorsqu'il y avait de nouveaux enquêteurs ou journalistes sur les lieux, mais que tout le reste, en revanche, était véridique. De plus, bien que Gross et Playfair restent persuadés jusqu'à leur mort que l'affaire était un cas authentique de poltergeist, ils ont tout de même surpris les enfants en train de tenter de tromper les journalistes et les enquêteurs présents. I came one morning and Janet excitedly came up to me and said, "The poltergeist has pinched your tape recorder." I started to look around. I found the tape recorder. Because what Janet didn't know was the tape recorder was still running when they pinched it. And when I played it back, it said, "Oh, cool, let's play a trick on him or two and we'll say the poltergeist did it."
that sort of stunt. They played a few tricks, which I would have been very surprised if they hadn't. And we caught them, and they knew we'd caught them, and we just didn't discuss it. No big deal. He was on the ball with everything that happened. And he knew, in a sense, whether we were playing the odd little game when we weren't. Comme on vous l'a dit plus tôt dans la vidéo, Janet aurait été filmée en train de plier des cuillères, une barre de fer et de sauter sur son lit pour faire croire à une lévitation qu'elle allait ensuite mettre sur le dos du poltergeist. Malheureusement, nous n'avons pas cette vidéo et nous ne savons même pas si elle existe réellement. Pour revenir à ce que nous disions plus tôt, parmi les personnes invitées par John Beloff à enquêter sur l'affaire se trouve le magicien Milbourne Christopher. Celui-ci conclura que les déplacements de meubles, même les plus lourds, peuvent s'expliquer par la prestidigitation et par la présence d'une petite fille très très intelligente. Il faudra remarquer que le but de sa profession est de détourner l'attention sur une chose pour en faire apparaître ou disparaître une autre, quand bien même il y aurait du monde dans la salle. Concernant les voix, bien qu'il y ait eu confirmation que ce sont les fausses cordes vocales qui ont été utilisées, les enquêteurs ont été critiqués parce qu'ils croyaient, naïvement, que les filles ne contrôlaient pas cette voix rauque. En effet, le test de l'eau, bien qu'invérifiable, tend à donner du crédit à l'hypothèse selon laquelle une entité utiliserait les fausses cordes vocales des enfants pour parler à travers eux. Malgré tout, et comme on vous le disait plus tôt, Anita Gregory de la SPR a déclaré que ces voix n'étaient que le fait de Janet et Margaret qui mettaient des draps devant leur bouche. Un ventriloque du nom de Ray Allan, invité à Enfield par John Beloff, a assuré qu'il était possible de faire ça avec un peu d'exercice. Quant à la longueur des dialogues avec la voix rauque, il aurait souligné le fait que les enfants reprenaient régulièrement leur voix normale, ou bien faisaient des pauses, cela les aidant à tenir plus longtemps. De plus, de nombreux chanteurs et chanteuses s'entraîneraient régulièrement à utiliser leurs fausses cordes vocales pour tenir une représentation complète. Enfin, dans le livre de Guy Lyon Playfair, This House Is Haunted, on peut lire « La voix refusait de parler, à moins que les filles ne soient seules dans la pièce avec la porte fermée. » Ce qui implique tout de même qu'une grande majorité des voix qui ont été enregistrées ont été faites en l'absence d'observateurs. D'ailleurs, sur l'enregistrement en version longue à propos de la mort de Bill, on entend clairement Maurice Grouse sortir de la pièce pour laisser la voix s'exprimer librement. On vous fait réécouter ça sans cut. I want you to tell me whether you remember what happened to you when you died. Just before you died and just after you died. Days before I died, my day. I went blind. Then I had an hemorrhage. And I fell asleep, and I died in a chair, in the corner downstairs. Certains sceptiques ont également mis en avant quelques éléments pouvant être considérés comme incriminants dans la fameuse interview de la BBC Scotland. Pour commencer, un extrait que l'on vous a déjà diffusé dans cette vidéo. Shall we try and speak to him? No. We'll see if he'll speak to us. Yeah. Is anybody there? No, no. Sur cet extrait, on peut voir que Janet cherche à se cacher la bouche, voire peut-être même à l'humidifier, avant que la voix ne parle, ce qui impliquerait une préparation. Et lors de cette même interview, le journaliste demandera à Janet comment les voix ont commencé. Voici sa réponse. And how did this start? Well, one night Mr. Grouse was talking about 8:30. He said, all we need now is the voices to talk. And that night I went to bed. I can't remember exactly what happened. And what's that knocking? Yeah. Dans cet extrait, deux choses ont perturbé les sceptiques. Dans un premier temps, Janet confesse que c'est lorsque Maurice Grouse a dit qu'il faudrait que les voix parlent qu'elles ont commencé. Un timing qui laisse plus d'une personne sceptique. De plus, lorsqu'elle parle de ça, des coups commencent à se faire entendre comme pour l'interrompre. Son regard et son sourire en direction de quelqu'un ou de quelque chose hors champ laissent également songeur. Au-delà de ces interruptions qui, semblait-il, arrivaient au bon moment, certains sceptiques et même certains croyants ont relevé le fait que lors de cas de poltergeist, la prise de parole de l'entité n'était pas répertoriée. Mais allez,
On peut imaginer qu'on ne sait pas tout sur ce genre de fantôme, ou bien même allons jusqu'à dire que, peut-être, Ed Warren était finalement un peu plus proche de la vérité avec son entité démoniaque. Mais dans les deux cas, là où ça pêche, c'est que le niveau de langage des voix était similaire à celui des enfants. Que ce soit un fantôme ou un démon, cela aurait donc le même niveau de vocabulaire qu'une adolescente. Des spécialistes du comportement ont également relevé le fait que les insultes sont venues progressivement, comme si Janet comprenait petit à petit que l'utilisation de cette voix rauque lui permettait d'être insultante en toute impunité. Mais allez, lâchons-nous et imaginons encore une fois que tout ceci soit un processus normal, et que finalement l'entité prend le niveau de vocabulaire d'un enfant puisqu'il utilise à la fois ses pensées et son énergie. Mais même malgré ça, il y a tout de même quelques petits moments où l'on peut se poser la question de la véracité de ces voix. Voici par exemple un extrait de l'enregistrement d'Ed Warren, qui, à notre connaissance, n'a jamais été utilisé par un enquêteur sceptique. Et nous vous le présentons aujourd'hui. Fred, you know what this is? A cross. Yeah. So were you a Christian? No. What were you? A soldier. Yeah. Aren't soldiers Christians? Yeah. Dans cet extrait, au-delà du fait que le prétendu Fred dit être une fille chaude, ce qui pourrait être considéré comme une sorte de provocation envers Ed, on entend clairement Margaret rire, et surtout intervenir pour remettre de la cohérence dans cette histoire. C'est comme si elle ne s'attendait pas à cette réponse, ce qui finalement est quelque chose d'assez normal, mais qu'elle recadrait tout de suite sa sœur, et que cette dernière, avec la voix rauque, se reprenait immédiatement. Pas convaincu? Voici un extrait que l'on vous a déjà montré. Was anyone there just now? Yeah. I do. Who's that? What? Who's that, Janet? Pardon? Stuart. Sir. Cet extrait nous montre deux choses. Tout d'abord, lorsque le journaliste demande s'il y a quelqu'un, Margaret répond non, avant que la voix rauque ne les interrompe, et dise que finalement, si, elle est bien là. Mais ça, on pourrait penser que le poltergeist intervient quand il veut. Ce qui est plus perturbant par contre, c'est que lorsque la caméra se déplace vers Janet, on observe très clairement qu'elle passe sa main devant sa bouche, comme pour la cacher. Ensuite, elle répond ce petit « quoi ?» avec un sourire dissimulé. Si vous n'avez ne serait-ce que gardé une seule fois des enfants et que vous les avez surpris en train de faire une bêtise, vous connaissez forcément ce fameux « quoi ?» de culpabilité, et très souvent suivi du coup de la question mal comprise. Pardon ? Ici, il semble que Janet fasse de même avant de finalement trouver la réponse qu'elle cherchait. Stuart... ça... Cet extrait ne vous convainc toujours pas ? Ok. On passe au plus connu. Ce qui a mis le doute à une très grande majorité des spectateurs de ce reportage de la BBC est cet extrait. How does it feel to be haunted by a poltergeist? It's not haunted. Shut up. Why isn't it haunted? I don't know. Does it frighten you, the things that happen here? Well, it did first, but now I've got more used to it. And you learn to accept the things that happen. Voilà, voilà. En effet. Janet balance très clairement devant une caméra, ce n'est pas hanté, ce qui fait rire sa sœur, et elle lui dit de la fermer d'une façon tellement naturelle qu'il est très difficile de ne pas croire qu'à ce moment-là précis, Janet dit bien la vérité. Libre à vous toutefois de l'interpréter comme vous le souhaitez. Passons maintenant à la lévitation. Effectivement, les propos de Madame Hazel Short sont compliqués à prouver ou à infirmer. Cependant, la photo de Janet en lévitation a été largement remise en question. Le Daily Mirror est connu pour être un journal sensationnaliste et aurait volontairement cherché à ne diffuser que quelques photos prises durant les rafales de l'appareil installé dans la chambre des filles. Cependant, l'enquêteur sceptique Melvin Harris aurait recomposé le mouvement de Janet grâce à plusieurs photos prises par Graham Morris. Comme on peut le constater, le mouvement ressemble étrangement à un simple saut depuis le lit. Melvin Harris dira d'ailleurs dans son rapport d'enquête « Il vaut la peine de rappeler que Janet était une championne de sport scolaire. » Et puis enfant qui ne s'est pas éclaté à sauter sur les lits. Mais vous allez peut-être nous dire, oui, mais pour l'histoire de Bill, elle avait raison. Oui, tout à fait, elle avait raison. Cependant, l'histoire de Bill Wilkins arrive assez tard sur le Canfield. Les Wilkins ont habité la maison avant les Hodgson. Il est alors tout à fait possible que l'histoire de Bill soit parvenue aux oreilles de Janet, de Margaret ou même de Peggy par des voisins ayant connu la famille précédente. Au Royaume-Uni, il n'est pas obligatoire de déclarer une mort naturelle dans une maison. On peut donc supposer que la famille n'était pas au courant, mais les voisins... difficile de ne pas le croire. Et on le sait,
les parents parlent, les enfants écoutent, et ils le répètent à l'école. Bien qu'on ait l'impression que les enfants n'aient pas été scolarisés pendant 14 mois, ils ont bien été à l'école pendant toute cette affaire. Les filles auraient même eu droit à des surnoms comme « les filles aux fantômes ». D'après Janet, elles auraient même été victimes de harcèlement scolaire à cause de ça. Bref, l'histoire de Bill Wilkins aurait très bien pu se faire connaître une fois que la rumeur d'un fantôme vivant au 284 Green Street se serait répandue. Et donc les filles auraient pu l'exploiter très simplement. Finalement, vous pourriez nous demander quel est l'intérêt d'un canular si c'en est un. Tout d'abord, il faut savoir que la famille Hodgson n'était pas très riche et vivait dans un logement social. Beaucoup de personnes ont donc supposé que tout cela avait pour but d'attirer l'attention sur eux afin de se faire de l'argent avec le cas. Cependant, il n'existe aucune preuve que Peggy ait touché le moindre penny sur cette affaire. D'ailleurs, elle vivra dans cette maison jusqu'à sa mort en 2003. Mais la plupart des partisans au canular pensent que c'est un tour joué et créé par les enfants. Quand bien même, à la base, ils avaient pour but d'attirer l'attention de leur mère, l'intérêt général grandissant autour d'eux aurait été le principal moteur de motivation pour ne jamais avouer qu'il s'agissait initialement d'un mauvais tour. Par contre, il y en a d'autres qui se sont fait pas mal d'argent avec cette histoire. Hormis la télé, la radio et les journalistes qui, évidemment, se sont servis de l'affaire pour faire de l'audimat, mais bon, c'est le métier qui veut ça, Guy Lyon Playfair, lui, sortira dès 1980 un livre intitulé « This House is Haunted », déjà cité plusieurs fois dans la vidéo. Cette sortie si rapide après les événements d'Enfield lui vaudront quelques reproches de la part de certains membres de la SPR. Beaucoup supposent que c'est parce qu'il avait déjà anticipé la sortie d'un livre qu'il continua à enquêter et à défendre la véracité du poltergeist d'Enfield. Qui plus est, il ressortira un second livre en 2017 pour les 40 ans de l'affaire. Business is business. De son côté, Maurice Gross ne semble pas s'être fait d'argent avec le cas. Lui a été accusé de croire en ce cas pour des raisons personnelles. En 1976, un an avant les événements, il perdit une fille dans un accident de la route. Elle s'appelait également Janet. On suppose qu'il s'est particulièrement attaché à Janet Hodgson pour cette raison. De plus, et il l'avouait lui-même, il s'était inscrit à la SPR parce qu'il était persuadé que sa fille morte avait tenté de communiquer avec lui. Le cas Enfield serait arrivé dans sa vie à un moment où il avait besoin de croire à une vie après la mort. C'est pourquoi il défendra ce cas jusqu'à la fin de sa vie. Betty and I believe that Janet tried to contact us after her physical death. You might believe that was just our way of dealing with bereavement, but it was a turning point in my life. I decided to carry out serious research into the paranormal and join the Society for Psychical Research. Pas très malin d'ailleurs de la part de la SPR d'envoyer ce type enquêter sur ce cas. Par contre, ceux qui en ont bien profité... Attends, je prends. Évidemment. Par contre, ceux à qui ça a bien profité, ce sont les Warren. Bien qu'il n'y ait été qu'une seule journée, ce petit passage par l'Angleterre permettra à Ed et Lorraine de parler du cas à de nombreuses occasions. Tout d'abord, en 1980, sort le livre, pardonnez mon accent, The Demonologist, The Extraordinary Career of Ed and Lorraine Warren, écrit par Gerald Brightle. Celui-ci est un proche des Warren qui partagera ses droits d'auteur à deux occasions. Dans ce livre, on peut lire que les Warren sont intervenus à Enfield pour aider la famille Hodgson à se débarrasser du démon qui les tourmentait. Non ! Je me calme. De plus, Ed se servira des quelques enregistrements qu'il a pris le temps de faire là-bas pour les diffuser lors de conférences payantes. Il ira même jusqu'à inventer des événements qui n'ont jamais été rapportés ailleurs que dans ses conférences. For instance, Janet had dematerialized before the eyes of scientists for 17 and a half minutes. She had also passed right through a solid brick wall into Nottingham's apartment next door, meaning that the molecular structure of her body had broken down to the extent that she could pass right through solid matter. En attendant que Marie-Madeleine se calme, voici quelques photos des chiens de la famille Occulture. Pardon. Ces baratins et gros mensonges seront toutefois repris dans The Conjuring 2, le cas Enfield. L'utilisation du cas Enfield pour produire un film autour des Warren est une aberration quand on voit le nombre de cas qu'ils ont traités. Évidemment pour la Warner, et sans doute aussi pour James Wan, c'était l'occasion rêvée d'attaquer le cas considéré comme le plus documenté de l'histoire des poltergeists. Alors, bien sûr, Ed ne profitera pas de l'argent du film, mais en 2016, Lorraine était encore en vie.
D'ailleurs, lors de la production du film en 2015, James Wan aurait invité Margaret et Janet à venir discuter avec les scénaristes du film pour donner leur version de l'histoire et leur ressenti. J'ai bien dit « aurait invité » parce qu'elle n'aurait pas été rémunérée. Ça, c'est la version officielle. Étonnamment, durant l'année où a débuté cette production, Janet a été interviewée par le Daily Mail et aurait, pour la toute première fois, parlé d'une séance Ouija qu'elle aurait réalisée avec sa sœur avant les événements. Scène que l'on retrouvera, étonnamment, dans le film de James Wan et qui n'a jamais été spécifiée dans le livre de Playfair, ni dans les interviews de Gross ou de Margaret. Après cette annonce, certains iront même jusqu'à dire que le poltergeist d'Enfield était en réalité Zozo. Qui plus est, la planche Ouija a pour avantage de parfaitement coller avec la théorie des Warren, selon laquelle le poltergeist d'Enfield était une entité non humaine et que la planche Ouija, d'après eux toujours, ne sert qu'à contacter les entités non humaine. Donc, voilà, CQFD, c'est pratique, mais que c'est pratique! Je peux récupérer la batte, ça devient n'importe quoi, là! Non, toujours pas, non. Merde. Warner ira d'ailleurs jusqu'à mettre en scène les retrouvailles des filles Oxon avec Lorraine Warren. Margaret and Janet. Oh my god! À titre totalement personnel, on trouve que Margaret joue le jeu, et a presque l'air sincère. Mais Janet, elle a pas l'air hyper convaincue. Faut dire qu'elle était très proche de Maurice, donc pas sûr qu'elle ait surkiffé que les Warren volent la vedette, surtout qu'un acteur joue Maurice Gross dans le film. Si l'on devait vous conseiller une adaptation du cas Enfield, ce serait la mini-série Le Mystère Enfield, sortie en 2015 et diffusée en France sur Arte. Les événements vous sont racontés en 3 épisodes d'environ 50 minutes, et quand bien même il y a quelques libertés prises sur l'histoire, puisqu'il s'agit d'une fiction inspirée de faits réels, on est beaucoup plus proche de ce qui semble s'être produit chez les Oxon que dans Conjuring 2. Et là, bah, pas de planche Ouija. Incroyable du cul ! On peut également citer le documentaire de Channel 4, sorti en 2007 pour les 30 ans de l'affaire. Et bien qu'il nous ait servi de source, il n'est jamais fait mention de planche Ouija. Et pourtant, le documentaire prend bien parti pour le phénomène paranormal. Enfin, pour conclure cet épisode, sachez que la famille Bennett, qui a habité le 284 Green Street après la mort de Peggy en 2003, n'y est restée que 2 mois. Claire Bennett se sentait mal à l'aise dans cette maison et disait que quelque chose semblait la regarder. Mais son départ de la maison serait dû à sa fille de 15 ans qui aurait vu un homme apparaître dans sa chambre. La mère de famille a déclaré qu'elle ne savait rien de l'affaire avant de s'y être installée. Mouais. Par contre, en 2015, la famille vivant au 284 Green Street a été interviewée à l'occasion de la sortie du Mystère Enfield et dit n'avoir rien vécu d'étrange dans cette maison. Aujourd'hui, ce cas reste encore un mystère pour la SPR, qui ne s'est toujours pas prononcée en faveur d'un fake ou d'une véritable preuve de la vie dans l'au-delà. Maintenant que vous avez tous ces éléments en main, à vous de voir si, pour vous, le cas Enfield est un véritable cas de poltergeist, une possession démoniaque, un énorme canular monté par des enfants très malins, ou un mélange de tout ça. Pour l'heure, Janet Winter, née Oxon, continue de dire que ce qu'elle a vécu était bel et bien réel. I know, from my own experiences, it was real, and it did happen. Call me whatever you like, a prank, mad, whatever. I just felt, as a person, they were to do with me, and I didn't feel in control. I felt used. I still say used. Cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis d'en apprendre plus sur ce cas Enfield, ou peut-être même de le découvrir. En tout cas, on espère de tout cœur que plus jamais vous ne direz que le cas Enfield est une affaire Warren. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que ce cas pourrait être pour vous, et pourquoi pas nous dire également si vous préférez Conjuring 2 ou le mystère Enfield. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook, et nous soutenir sur Tipeee ou Utip, et même maintenant en souscrivant à la chaîne directement sur YouTube. Quant à nous, on se dit à très vite pour un nouveau moment de culture.